Abonne-toi à Keytoons et amuse-toi pendant des heures. Blue, blue bees, blue, blue, blue bees, blue bees. Voici les fairies, blue bees. Les amis des sirènes. Le monde marin doit être sauvé. Elles doivent trouver les perles magiques. Tentaclus ne les arrêtera pas. Blue bees. Que l'aventure commence. Blue, blue bees. Il était une fois une perle des ténèbres qui avait emporté la lumière, l'énergie et le bonheur du monde avec elle. Puis, elle est tombée entre les mains du méchant Zarpas. Et il a attaqué Coralia, notre reine des Chélises. Mais les Chélises, avec l'aide de nos amis Bloopies, l'ont affronté. Et de notre union, notre amitié et notre courage, est née une perle de lumière. La perle qui apporte vie et bonheur au monde des Chélises. Notre monde est redevenu normal. Même Zarpas nous a aidés. Et il a compris qu'il valait mieux être bon et avoir des amis que d'être seul. C'est comme ça que nous sommes tous devenus amis. N'est-ce pas génial? La perle et le monstre des mers. J'adore avoir des amis, moi. Heureusement que tout s'est bien passé. On a réussi tout ensemble. Oui. Tout cela n'aurait pas été possible sans vous, les Bloopies. Hein? Il faut qu'on y aille, ou alors on va être en retard. Alors à demain. Salut les Bloopies. Oh. Va aller dormir, moi. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Faites de beaux rêves, les Chélises. Je vais déposer la perle de lumière dans le volcan, comme ça elle ne tombera pas entre de mauvaises mains. J'ai pas envie de dormir, moi. Tu veux que je la surveille? Bien sûr. Maintenant, tu es l'un des nôtres. Ah. Zarpas, sois sur tes gardes. D'accord, promis. Et rappelle-toi, tu ne peux pas t'endormir. Oui, oui, j'ai compris. Bonne nuit, Zarpas. Bonne nuit, Coralia. Je suis le gardien de la perle de lumière et je la protégerai nuit et jour s'il le faut. Je m'appelle Zarpas. Et rien ne m'échappe. C'était quoi ça? Qui est là? Si vous voulez la perle de lumière, va falloir m'affronter d'abord. Donc gare à vous. Attention. Oh, encore une super journée, Chélie. Oh, ah. Oh non! Où est donc la perle? Mais qui l'a donc volée? Oh oh! Zarpas n'est pas là également! Alors c'est sûrement lui! Impossible! Zarpas est gentil! Hier, on a passé toute l'après-midi à jouer ensemble! Il faut qu'on trouve qui c'est! Allons-y! Vous entendez ça? Vous avez entendu? Oui! Mais d'où ça vient? Des canards! Mais regardez, là-bas! Il y a des canards en plastique partout! Ouais, des canards. Ah, des canards. Je crois que Zarpas est un peu somnambule. Donc il n'est clairement pas à blâmer. Mais alors, qui c'est? Zarpas, réveille-toi, mon petit Zarpas. Zarpas! Oh, mais quel cauchemar! J'étais avec la perle, mais un serpent l'a pris. Je les ai suivis, mais il y avait des canards géants en plastique absolument partout. Il y en avait plein! Des canards en plastique? Il est peut-être tombé malade après avoir mangé trop de sucreries? Des serpents, des canards, quel étrange cauchemar! Ce n'était pas un cauchemar! Regardez ces traces! Oh. Il faut qu'on aille explorer là-bas! Tout là-bas? Regardez, nous sommes arrivés! Elle s'arrête là! Les traces des serpents des mers! Mais pas de canards, pas vrai? Il faut qu'on suive ces traces! Je préférerais ne pas être la première. Et moi, je ne peux pas laisser mes poupées toutes seules. Moi, je n'ai peur de rien, mais La voilà. Ah, viens, j'ai la perle. Oh, attention. Oh non, la perle est cassée. Sans la perle, le monde marin devient chaotique. Vite, il faut trouver un abri. Nagez, nagez, cachez-vous tous. Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive d'un coup. Bonne nuit. Mais pourquoi j'ai autant sommeil? Je n'ai jamais vu le volcan dans un tel état, moi. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis tellement fatiguée. C'est pas le moment de faire une sieste, dis donc. Zarpas. Ma reine. Zarpas, sans la perle, danger. Reine Coralia, pourquoi toutes les chélises t'endorment et tu la fais? Les Chélises ont besoin d'aide, mais je ne peux pas gérer ça tout seul. Elle a de grands poumons, la reine. Les Fairies.
Les Fairies, mais qui sont-elles? Oh non, quel cauchemar! Tout est ma faute! Oh, j'aurais jamais dû m'endormir! Il faut que je fasse quelque chose! Hein? Quoi? Ah! Le Bloop est ok! Les Bloopies, on a besoin de vous! La perle de lumière a été détruite et les chélises ne se réveillent pas! À l'aide! À l'aide! Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? À l'aide! Elles doivent trouver les perles magiques. Tentaclus ne les arrêtera pas. Bloopies. Que l'aventure commence. Bloopies. J'adore avoir des amis. Je vais déposer la perle de lumière dans le volcan. Oh non! Où est donc la perle? Ah, attention! Sans la perle, le monde marin devient chaotique. Les Fairies. Les Bloopies, on a besoin de vous! La perle de lumière a été détruite et les chélises ne se réveillent pas! Bienvenue dans le monde des Fairies! Les Bloopies, on a besoin de vous! On est là, Zarpas! La perle a été détruite et les chélises ne se réveillent pas! On arrive tout de suite! Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est redevenu triste! Regardez! Zarpas! Nous devons l'aider! Allons sur le volcan! J'étais! Allez, on est les plus rapides ici-bas. Oh, c'est quoi cette lumière? Allez, Mimi. J'arrive tout de suite. Allez, on y est presque. La pauvre, elle ne se réveille pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monstre des mers a cassé la perle. Les chélises se sont endormis et puis Coralia a dit les Fairies. Les Fairies? Qu'est-ce que ça peut être? Un dessert secret? J'en sais rien. La reine est hors de danger, nous pouvons enquêter. J'ai vu une étrange lumière dehors, on aurait dit la lune, c'était bizarre. Ne perdons plus de temps. Ne t'inquiète pas, Coralia, nous te réveillerons, je te le promets. Mais on va laisser la reine ici et en plus toute seule? Tu as raison, Zarpas, tu seras le gardien royal. C'est toi qui défendras la reine de toute menace. Hein? La reine fait plus de bruit que le volcan avec ses ronflements. Là-bas! C'est quoi cette lumière? J'ai déjà vu cette lumière. C'est forcément un signe, les Bloopies. Suivons-la. Oh, où sommes-nous? Wow. Salut les Bloopies, nous vous attendions. Vous nous avez trouvés en suivant la lumière, n'est-ce pas? Qui es-tu? Ah, oh, tu as raison. Où sont mes bonnes manières? Je me présente. Je m'appelle Scarlett. Je suis une fairie. Suivez-moi, c'est par là. Bienvenue dans le monde des Fairies. Ah, hé, elles sont là. Les Bloopies sont arrivées. Oh. Incroyable. Oh. Ça doit être le monde dont Coralia nous a parlé. Et elles, ce sont les Fairies. Les voilà. Elles n'ont pas d'ailes? Comment elles font pour voler? Elles sont immenses. J'adore. Tu es géniaux. Respectez nos invités, voyons. Bienvenue. J'imagine que vous avez beaucoup de questions à nous poser. Oui, plein. En commençant par celle-ci. Qui êtes-vous? Et qui sont donc les Fairies? Juste des Fairies, c'est nous qui avons créé les perles. Vraiment? Les Chélises nous ont dit que c'était le volcan? Nous sommes les déesses de la mer. Et notre devoir est de protéger le monde marin et tous les êtres qui y habitent. En réalité, nous sommes l'âme du volcan. Mais ne dites rien aux Chélises! Coralia est la seule à connaître toute l'histoire. Chut, Tatiana, tu as la langue trop pendue. Maintenant, il faut nous promettre à toutes que vous garderez les secrets. Parole de Bloopies! Bloopies, nous nous en remettons à vous. Car nous avons besoin de votre aide pour sauver le monde marin. La perle de lumière et la perle des ténèbres sont indispensables à notre monde. Depuis que la perle de lumière a été détruite et que la perle des ténèbres a disparu, l'équilibre du monde marin a été modifié. Donc, que faut-il faire pour rétablir son équilibre? Nous devons les retrouver pour créer à nouveau les perles de lumière et la perle des ténèbres. Le seul moyen, c'est de retrouver les 5 perles d'origine qui restent cachées dans les 5 mers. Lorsque nous les avons créées, le volcan a expulsé chacune d'entre elles dans une mer différente, de sorte que personne ne pouvait les reconstituer. Nous devons les retrouver pour recréer les perles de lumière et celles des ténèbres. Pas d'inquiétude, nous les retrouverons et nous sauverons les Chélises. Nous viendrons avec vous. Mais Aurora, nous n'avons jamais quitté le volcan. Nous ferons une exception, le monde marin est en danger. Vous êtes prêtes? Allons-y les Fairies. Wow, c'est incroyable. Regardez, c'est magnifique. Waouh, c'est fantastique. On nage mieux comme ça. Je m'appelle Tentaclus. Je vais devenir le roi de la mer. Le monstre de la mer. À
cause de vous. Mes amis ne se réveillent pas. Vous allez voir ce que vous allez voir. Personne ne touche à mon ami Sarpas. Ça chatouille, dis donc. Il est trop fort. On ne peut pas le battre. Que peut-on faire? Les Ferris, vos baguettes magiques. Augmentez leur pouvoir. Je me sens aussi bien que si j'avais dormi. À ton tour, Sierra. Jamais vous ne vaincrez Tentaclus. Les Ferris, à l'aide! Détrompez-vous! Mais qu'est-ce qui m'arrive? À mon tour! Vous ne pouvez pas faire ça! Ton pouvoir est trop cool! Nous avons tous des pouvoirs! Oh non, il faut y aller! Essaye de te reposer. Demain, Luna, nous voyagerons à travers les cinq mers. D'accord, mais dis-nous dans laquelle on commence alors. Dans la mer Ruby, pour chercher la perle Ruby, bien sûr. Oh, super, oui. À demain, les Ferris. À demain, les Ferris. Je pense que c'est le début d'une très grande aventure, les Ferris. Dans la mer Ruby. Elle n'appelle toujours pas. Pourquoi les Ferris n'appellent pas? Et si le monstre des mers leur avait causé... Salut les Bloopies. Je suis là. Un monstre des mers. Tu es là. Qui es-tu? C'est ma cousine Layla. Salut. Ravie de te rencontrer. Salut Layla. Vous étiez en train de parler de ce méchant poule? Oui, lui-même. Mais je vais user de mes pouvoirs mystiques. Tentaclus ne perd rien pour attendre. Ok, calmons-nous. Le plus important, c'est de retrouver les cinq perles originelles. Nous en avons besoin pour recréer la perle de lumière et la perle des ténèbres. Sans elles, tout peut arriver. Et les Chélys ne se réveilleront jamais. Les Bloopies, prêtes pour partir à la recherche des cinq perles originelles? Compte sur nous, Aurora. Moi aussi, je veux aider. Parfait. Il y a des Bloopies qui n'ont pas pu venir. Donc, plus on est dans cette mission, mieux ce sera. Ouais. Elle est plus que dangereuse, cette mission. C'est pour ça que je chante cette chanson. Bonjour tout le monde. Oh, regardez, les Bloopies sont là. Ouais. Salut les Bloopies. Trop cool. Nous sommes venus vous aider à retrouver les perles originelles. Chers Bloopies, nous commencerons d'abord à chercher la perle Ruby qui repose dans la mer Ruby. Mais faites très attention, c'est une mer volcanique pleine de bulles de lave. Moi, je n'aime pas la lave. Oh. Et Tentaclus, il sera aux alentours. Diana et moi resterons ici pour protéger le volcan ainsi que les Chélys. Mais avant que vous ne partiez, je vais augmenter vos pouvoirs. Waouh! Merci beaucoup, Aurora. La perle Ruby dans la mer Ruby, hein? Donc, cet amas de rochers, c'est la mer Ruby? Quel ennui! Ce serait beaucoup mieux avec quelques fleurs. Et voilà! Il fait si chaud. On s'en rend pas compte parce qu'on est sous l'eau, mais je transpire énormément, moi. Arrête de faire ta mijaurée. Je vais pas ma mijaurée. Quelque chose me dit qu'on se trouve dans une zone volcanique et qu'il va y avoir une éruption. Aïe, ça brûle. Attention, les bulles brûlent. Vous auriez pu nous prévenir, franchement. Tatiana, aide-moi. Ne bouge pas, j'arrive. Attention, dépêche-toi. Tourne à gauche. Encore une par ici, et une par là. Qu'est-ce que vous êtes jolies, mes fleurs. Nage, oh, vite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? C'est à mon tour, maintenant. Ça brûle, ça brûle. Encore une fleur ici, et puis ici. C'est trop joli. Je ne vois la perle Ruby nulle part. Je vais utiliser mes pouvoirs. Peut-être que je peux me rappeler de quelque chose du passé qui pourrait nous aider. Je n'arrive pas à voir la perle, mais j'arrive à apercevoir un coquillage lumineux. C'est un signe. Un signe, c'est magique. Il faut que nous retrouvions ce coquillage. Mais comment savoir quelle est la bonne pourtant? Il y en a des millions. C'est facile. La perle brille d'une façon exceptionnelle. Oh, regardez, il y a une lueur rouge là-bas. Allons voir. Elles sont passées par ici. Regardez. J'arrive pas à croire mes yeux. Le coquillage qu'il y avait dans mon rêve, c'est incroyable.
Aidez-moi. Waouh, c'est la perle Ruby. Waouh, mais quelle est belle. Merci de m'avoir aidé à retrouver la perle Ruby. Tentaclus. Où est-ce qu'il est parti? Regardez cette couleur rouge. Il faut qu'on le poursuive. C'est Tentaclus. Mais pourquoi tout est brûlant par ici? C'est effrayant. Vite, entourez l'aile. Lâchez la perle. Vous ne pouvez pas vous échapper. Laissez-moi faire. Je vais utiliser mes pouvoirs mystiques. Tourbillon marin. Attention. Merci de me rendre la vie plus facile. Attention, il s'échappe. En plus de me brûler tout le temps, je me brûle avec toi, c'est fou. Ça brûle. Je n'arrive pas à le prendre avec mes tentacules. Il faut que je réfléchisse à un autre plan. Ouais, je reviendrai. Et comment on la prend? Elle est brûlante. Claudette, laissez-moi faire. Wow, incroyable. On a réussi. Mission accomplie. Merveilleux. Nous avons la première perle entre nos mains. Plus que 4 autres perles à trouver. Nos amis Chélie se réveilleront bientôt de leur profond sommeil et l'harmonie reviendra parmi nous. Merci pour votre aide, les Bloopies. Au revoir. Ouais. Ouais. Et l'armée des méduses. Je suis Tentaclus. Oh non, laissez-nous partir. Ou nous demanderons un... Recule, Tentaclus. Super Audrey est là. Oh non, c'est Super Audrey. Attrapez-le. Vous êtes sauvé. Merci, Super Audrey. Tu as battu Tentaclus. Si seulement c'était facile de vaincre Tentaclus. Les Fairies n'ont pas encore appelé? Hé, les Bloopies, on a besoin de vous pour la mission de la mer d'Emeraude. On arrive! Coucou, on est là. Regardez les Fairies, je vous présente Audrey. Salut! C'est une amie de l'école, elle vient avec nous. Tu as raison, elles sont trop mignonnes. Ravie de te rencontrer. Tatiana a trouvé la perle émeraude dans la mer d'Emeraude. J'ai consulté ma boule de cristal. La perle se trouve en haut d'une grande plante. Une plante? Seuls les plus courageux, les plus déterminés seront capables d'entrer dans l'immensité de la mer d'Emeraude. J'y vais. Moi aussi, c'est juste une plante après tout. C'est plus que ça. C'est pas juste une simple plante. Elle est protégée par une armée de dangereuses méduses. Eh bien, dans ce cas... il vaut mieux que je surveille le volcan. Je me porte volontaire. Moi aussi. Je protégerai les Chélies endormies. Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et qui de mieux que Super Audrey? D'accord, Audrey. Mais avant ça, je vais augmenter tes pouvoirs. Waouh! Maintenant, je suis vraiment Super Audrey. Leila, Luna, restez avec eux et gardez la perle Ruby. Sweetie, Mimi, Lovely et Ciara iront à la mer d'Emeraude. Tatiana, Claudette, Valérie et moi, on viendra avec vous. Mais souvenez-vous, la perle se trouve en haut de l'arbre marin, donc faites très attention avec les méduses. Et surtout, faites attention à Tentaclus au cas où il apparaîtrait. Waouh, c'est magnifique. Concentrez-vous, il faut qu'on retrouve cette plante. Regardez, je suis sûre qu'elle est là-bas. Il y a un faisceau à lumière verte. Allons-y, c'est par là. Dépêchez-vous. Où est Lovely? Cette couleur est incroyable, n'est-ce pas les filles? Lovely. J'arrive. Désolée. Mais c'est tellement beau par ici. Ça va être beaucoup plus facile que ce que je pensais. Aïe, mon œil, je ne vois plus rien. Allez, venez. Regardez, la perle émeraude doit se trouver là-haut. Oui, et aussi la méduse. Ça fait trop peur. Attends, Oti, c'est impossible d'atteindre la perle avec toutes ces méduses là-haut. En plus, elles peuvent nous piquer. Et si je les repoussais avec tous mes pouvoirs, alors? Oh oui, ça c'est une bonne idée. Mais attention, tes pouvoirs ont augmenté maintenant, Sweetie. Tu pourrais endommager la perle et faire mal aux pauvres méduses. Ne t'inquiète pas, je serai très douce. Oui, la voie est libre. Allons prendre la perle.
Qu'est-ce qu'elles sont nouilles? Elles sont trop drôles. Ah, j'ai mal partout, dis donc. Et elles ont failli nous piquer. Vite, il faut qu'on trouve quelque chose pour distraire ces méduses. Je sais quoi faire. Lumière est puissante. Ouais, ça marche, c'est super. Dépêchez-vous, les Bloopies. Maintenant. Vite, Tentaclus est déjà à nos trousses. Allez, plus vite. Ha, prends ça. Hey, on va employer les grands moyens maintenant. Tu vas voir, Tentaclus. Oh, désolé, Cory. Oh, c'est pas juste. Il va arriver en premier. Dépêchons-nous. Allez, on y est presque, les Bloopies. Elle est à moi. Dans tes rêves, Tentaclus. Hein? Oui. Ouais. Ouais. Finalement, c'était pas si difficile. Oh. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est encerclés. Il va nous la reprendre. Surtout pas un geste. La perle n'est pas à toi. Oh. Venez ici avec Tentaclus, mes chères petites méduses. Venez me faire un câlin. C'était une super idée, Valéria. C'est là que Tentaclus, boum! Et Ciara, splash! Et les méduses, fou! Et Valéria, fiou! Je ne comprends plus rien. Est-ce qu'on a gagné, oui ou non? Bien sûr, on a la perle. Et je pense qu'on n'entendra plus parler de Tentaclus pendant un bon moment. Tentaclus, t'es beaucoup! Aïe! Oh! Aïe! Elles doivent trouver les perles magiques. Tentaclus ne les arrêtera pas. Bloopies. Que l'aventure commence. Bloopies. Les mystères de la mère Agathe. Ça a écrasé la perle de lumière. L'échelle est storm toute la journée. C'est un enfer. On cherchait 5 perles originelles à travers les 5 mers. On a l'émeraude, on a la rubis. Il nous en reste 3. Non, ça va pas là. Il faut que tu trouves ton propre style. Bloopies, Ferris, on a une nouvelle mission. Nous devons aller dans la mer d'Agathe pour trouver la perle Agathe. C'est une mer désertique et turbulente, surtout maintenant. Sans la perle de lumière ni la perle des ténèbres, tout est chaotique. Aurora et moi resterons ici pour protéger les chélises et les perles. Qui d'autre se porte volontaire? Je reste avec les chélises. Et moi, je protégerai les perles. Et moi, je les protège toutes les deux. Bonne chance, mes amis. Merveilleux. Amenez-moi à la perle. C'est immense ici. Où peut bien se trouver la perle? Je ne vois aucun faisceau de lumière. On devrait peut-être demander à quelqu'un. N'ayez pas peur, il n'y a aucun danger. J'ai comme l'impression que quelqu'un nous observe. C'est peut-être Tentaclus. Quelqu'un nous observe-t-il? Ce n'est qu'une illusion. Ça ne rime toujours pas. Qu'est-ce qui se passe là? J'espère que c'est pas Tentaclus. Faites que ce ne soit pas Tentaclus. C'est une colonie de Rémanta sauvages, tous à l'abri. Nous ne vous comprenons pas. J'ai une idée, moi. Salut, chérie, tu vas bien? On est à la recherche de la perle Agathe. Ah, elle dit que la légende veut que la perle Agathe se trouve tout au fond du désert, là où personne n'a jamais mis les pieds. Même les plus forts, vous vous rendez compte? Nous devons traverser le désert et nous verrons la lumière de la perle Agathe. Ah, dis-moi. Merci, mon ami. Bloopies, nous devons rester ensemble et ne jamais se séparer. On ne trouvera la perle que si on reste ensemble. Nous la trouverons. Il fait si chaud. Ma robe de flocons est en train de fondre. Ah, quelle est cette chose blanche? Est-ce ma vision qui flanche? Ah, j'y crois pas. Maintenant, j'arrive à faire des rimes. C'est la perle, j'en suis sûre. Audrey, tu peux nous téléporter? Impossible, je n'y suis jamais allée. Alors, allons-y. Il n'y a pas de temps à perdre. Elles sont à moi. Ne t'inquiète pas, Marco. Nous trouverons un autre chemin. Oh non! Attention! Oh, dépêchez-vous! Mais d'où viennent ces rochers tout à coup? Allez, plus vite que ça. Allez me trouver la perle. Je suis un génie. Hein? Mais pas si vite.
Amenez-moi à la perle Agathe. Allez, plus vite! Il y a de la lumière à l'ouest, regardez. Oh, je dois me reposer. J'arrive même plus à chanter. Quoi qu'il arrive, souvenez-vous de ce qu'a dit bébé Raymanta. Il faut qu'on reste en groupe, allez! Regarde, on y est presque! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hé, hey, Lynn, qu'est-ce que tu fais là? Attention, Audrey! Quoi? Oh non! Je te tiens! Moi aussi! Et moi aussi! Ah, merci, les filles! Formons une chaîne! Je pense que je peux atteindre l'autre côté! Leila! La perle Agathe brille 2000 pas! Non, il faut plus d'émotion! Qu'est-ce qu'il y a? Ça sonne si faux! Oh, oh non! Leila, on a besoin de toi! Ah, je vous tiens! Allez! Encore un peu plus, on y est presque! Allez, allez, dépêchez-vous! Nous y sommes arrivés! Bébé Raymanta avait raison! Il faut rester groupé à tout moment! Ah! Regardez les Bloopies! La lumière! Allons-y! C'était pas prévu, ce truc! Hein? Qu'est-ce que vous regardez, vous? La perle! Et ces algues alors? Peut-être qu'elles sont toxiques? Laissez-moi faire! Wow! Ouais! La perle Agathe a été retrouvée. Nous resterons ensemble pour l'éternité. Waouh! Quelle aventure! J'adore! Tu viens de trouver ton propre style. Ça y est, nous avons 3 perles, plus que 2 perles pour réveiller les chéris. Demain, nous partirons chercher une autre perle. Ce sera une nouvelle aventure. À demain. Tu n'as pas vu Tentaclus, toi? Non. Étrange, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Où sont-elles toutes passées? Oh, oh.